Ce n'est peut-être pas le terrain de prédilection de cette Nissan Silvia de 2002, mais nous sommes aujourd'hui sur le circuit de Barcelone pour un nouvel épisode de Track Day. Bonjour et bienvenue. Nous passons en revue aujourd'hui la Nissan Silvia R Aero S15 modèle 2002, disponible dans la description dans un pack qui comprend deux générations de voitures, celle de 99 et celle de 2002. Je me suis attardé sur celle-ci parce que j'en avais simplement une petite préférence au niveau esthétique. Sachez qu'elle arrive en deux spécificités, la version avec appui aérodynamique, celle-ci donc avec un spoiler à l'arrière, et la version sans aileron arrière, un petit peu plus dédiée aux glissades et notamment au drift, pour un poids d'1,2 tonnes, ce qui est quand même beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, c'est compensé par les 255 chevaux sous le capot, moteur avant évidemment, vitesse de pointe de 230 km/h et un 0 à 100 en 5,6 secondes. Vraiment quelque chose d'intéressant, une voiture japonaise dans la pure tradition, très bien équilibrée, très stable en virage, une bonne vitesse de pointe, bref, c'est propre, c'est nickel, c'est tiré à 4 épingles et ça balance est très bien. On a essayé de la balancer, vous allez voir dans les chicanes, voir si on pouvait la faire partir, mais très difficile de la faire décrocher et c'est tant mieux. Les amis, vous connaissez la tradition dans Track Day, montez le son!